Hello. Bonjour. Invitez vos amis. Hello. Ah, ça salue la grandeur. Amen, toi aussi, ça salue depuis ta position. Brave femme. Brave petit, ouais. C'est quoi ça, est, en tout cas? Celle qui vient. C'est dans notre sang, hein? Je crois que le peuple, ouais, c'est un peuple de djinns. Les femmes, surtout, nos hommes sont calmes. Mais nous, les femmes, là, nos hommes, on peut les acheter. Mais nous, les femmes, ah, on fracasse, hein? Les hommes, ouais, sont doux. Mais les femmes, on fracasse. Pas dans du, hein? Vous pouvez corrompre les hommes, mais les femmes, ouais, ah non. On fracasse, c'est ça qui est ça. Ah, on n'est pas dans du jeu. Voilà, les hommes là, vous pouvez les acheter, c'est leur. Vous pouvez acheter nos hommes, ouais. Ils peuvent être vendus, mais nous là, on n'a pas de prix. Aïe! C'est ça, on fracasse, c'est les femmes qui. Ils vont venir et tous les Ivoiriens, je vais leur parler, parce que là, là, la grande, je vais leur parler aujourd'hui. Après, tu vas les jongler. Parce que les gens, ils pensent que nous, là, on n'aime pas Gbagbo, c'est pour ça qu'on parle comme ça. Je vais leur parler, moi j'ai mal. Là, là, je devais, on me demande même un repos complet. Je viens de chez le médecin, 20 de tension. Mais c'est pas grave, Dieu est au contrôle. C'est quoi ça? C'est une tension nerveuse. Et je vais vous dire pourquoi je suis très énervée. On va écouter deux chansons, ça va me détendre. Là, là, je pourrais me reposer, hein. Mais bon, c'est pas grave. S'il faut mourir pour le pays, on va mourir. Hey! But we get too strong, guys. I'm a militant dickhead. What's a winner, da da da? Hey, I'm a winner. I am a winner, da da da. I am a winner, da da da. Oh, I am a winner, da da da. Oh, I'm a winner, da da da. Mon Zéléman, Yolanda qui est venu, hey, tout là-bas. C'est bien pour la vie, chérie. Tout le monde n'a qu'à suivre. Taguez tous les Ivoiriens. Je vais expliquer pourquoi je suis brûlante avec Nabi Bamba. La Daïti de Goéla, la célèbre de Simon Gbagbo. La bébé chouchou de. Gbagbo, Laura et Simone Gbagbo. Et la grande chouchou de Charlie Mbappé. Now we know.
sentiment de haine, pourquoi? Pas envers mes frères maliens, non. Ça, ce qu'on vit aujourd'hui là, le petit Assimi Koïta, il peut être même mon fils, il a 36 ans. Il peut être mon fils. Hein? Ou mon neveu. Mais ce petit-là aujourd'hui rentre dans l'histoire. Vous en rendez compte, il rentre dans l'histoire. Parce que je suis, quand vous me voyez comme ça, je parais forte. Mais la nuit, je pleure. Je pleure parce que c'est qu'on dit là, le 22 demain, toute l'Afrique va se lever comme une seule personne pour porter cet enfant-là au haut du sommet, en haut du sommet. Parce qu'il a su écouter son peuple. Mais regardez le président Laurent Gbagbo. Quand tu regardes l'historique du président Laurent Gbagbo, ce petit-là, le président Laurent Gbagbo, était son modèle. Si je ne puis, si je me fais comprendre, était son modèle. C'est le président Laurent Gbagbo qui a montré l'exemple à ce petit. Aujourd'hui, là, l'Afrique entière, tous les Noirs du monde, ils devaient se lever le 22 là. Ce qu'on doit faire le 22 samedi là, c'était pour le président Laurent Gbagbo. Moi, je voyais ce monsieur là comme ça. Mais tout ça là, ça a été jeté, foulé au sol par qui? Par une petite chienne. Et le président a... C'est-à-dire, mais j'étais, quand je suis couchée, j'ai dit, mais il n'avait pas des conseillers. Hein? Il n'y avait pas de gens pour lui parler à côté. Parce qu'un chef d'État, il a des conseillers. Pour lui dire même si tu n'aimes pas ta femme, comme eux, ils prétendent, hein? Si tu ne veux pas, ce n'est pas le moment. Là, c'est un moment historique où le monde entier t'attend. Advienne ce qui pourra. Pour l'instant, va, sors un héros pour que le monde entier voit que tu as défié toute la communauté internationale. Le monde entier, c'est-à-dire dans tous les pays, toute l'Afrique, les gens attendaient le président Laurent Gbagbo. Mais vous avez vu, et aujourd'hui, c'est un petit de rien du tout. Hein? Koïta, comment il s'appelle déjà, on dit, Assimi Koïta, qui va rentrer, qui a pris la place du président, que le président Laurent Gbagbo, la place que nous on prévoyait pour notre président qui a pris ça aujourd'hui, qui est le, c'est-à-dire le héros planétaire pour les Noirs. Est-ce que vous comprenez ma souffrance? Je vous dis, les nuits c'est terrible, ma tension est montée jusqu'à 20. C'était hier même, je sentais pas tout le monde. Toute cette partie-là, ça n'allait pas du tout. Je pleure, j'ai dit pourquoi? Si j'avais Nadi devant moi, peut-être je serais allé en prison. Vous comprenez pourquoi cette haine-là? Pourquoi cette colère? Et qu'on parle de ça, je ne sais pas. Il y a des Ivoiriens, je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'on a raté. C'est que ce pays, la Côte d'Ivoire, c'est que Nadi nous a arraché entre les mains. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous comprenez ma douleur. Hein? Je ne sais pas. Les gens ne comprennent pas. Et ils sont là. Oui, le président veut changer de vie. Il ne veut pas vivre. Il veut vivre en fonction de la Bible. Il veut... Mais ce n'est pas ça qu'on dit. Tout ça là, on est d'accord. Même s'il veut se séparer de Maman Simone là. Mais qu'il rentre au moins que le combat de 30 ans. Ah, désolé, désolé. Je suis désolé.
Je suis désolée, c'est plus fort que moi. Je suis désolée. Je vais tenir. Vous comprenez ma douleur? Voilà, c'est pour ça que j'ai mal. J'ai mal parce que ce combat, ce monsieur-là, était plus que Mandela. C'était pour le monde entier. Vous ne pouvez pas comprendre ce que Nadi nous a fait. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce n'était pas le moment où le président devait casser même le FPI. Même il pouvait aller discuter, lui qui a été un homme de dialogue. Vous pensez que c'est le président qu'on a connu qui est là? De vous à moi, vous pensez, vous qui, je ne sais pas, vous ne voyez pas le danger qui arrive? Je ne comprends pas. J'ai l'impression que je suis la seule à voir ce film-là. Je ne comprends pas. Je suis la seule. Vous ne voyez pas le danger qui arrive là? Vous ne voyez pas? De jour en jour, il y a des gens, je ne sais pas à qui. Oh mon Dieu, Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu l'ampleur, le président Laurent Gbagbo à la CPI, où personne ne ressort? Hein? Lui et son fils Blé Goudé sont sortis héroïquement de la CPI. Regardez ce que Nadi nous a servi. Est-ce qu'il n'y avait personne pour dire au président non? Nadi, si tu veux l'épouser, on est d'accord. Mais ça là, c'est ta victoire. Et Nadi, ça risque de décourager le monde entier. Regardez. Regardez ce qui s'est passé. Et les gens sont dans leurs rêves aujourd'hui là. Vous pensez que l'amour que les Africains... C'est parce que vous ne... Vous, je vais avoir un deuxième portable dans pas peu de temps. Et je vais faire des directs où je vais interroger. Les Africains vont venir me donner leur point de vue. Vous ne pouvez pas savoir comment les gens sont déçus. Vous ne pouvez pas savoir. Moi, j'ai des amis, des panafricains. Quand on parle du président Laurent Gbagbo qui était prêt, qui a... mais quand maintenant il dit, il ne faut même pas me parler de celui-là. Il y a une même, elle est de l'Afrique centrale. Elle dit... Ce nyama-là, nyama, ça veut dire quoi? Ça veut dire animal. Tellement elle est dégoûtée. Vous en rendez compte? Et ça fait mal. Ça fait mal. On a fait un combat. On a mis nos vies entre parenthèses. 10 années, 11 ans. Dans la vie d'une personne comme moi, sans ses enfants. Mon fils, quand j'allais, il avait 8 ans. Le voilà aujourd'hui en Pâques. Tous les moments là, on a tout perdu. Hein? On a tout perdu. Les moments de tendresse, les moments où l'enfant a 12 ans, où tu peux l'accompagner au foot, moi j'étais pas là. Mon fils était très bon en foot, très bon. Il était même, il devait aller dans des clubs, hein? Dans des centres de formation. Mais tout cela, il a abandonné. Du jour au lendemain, il dit, il arrête. Et qu'est-ce qu'il me sort? Je vais tout seul au foot. Les amis, les autres sont là, leurs parents les accompagnent. Mon mari a son compte. Donc moi, la mère, c'est moi qui devais être là. Je venais seulement, je faisais tout pour être là. Quand c'est les fêtes de fin d'année de foot, hein, où on partage les repas, on échange, c'est tout. Je n'ai jamais accompagné mon fils au foot, ni parlé avec lui. Il était tout seul. Un moment, il a arrêté. Il a arrêté. Il dit, ça ne sert à rien. Je voulais faire le foot pour vous. Pour être, je ne sais pas, une fierté pour vous. Il a arrêté. Pourtant, il a aspiré à un, je sais pas, un avenir dans le foot. Il a arrêté. Mais ça, là, vous ne voyez pas. Nous, on n'aime pas Gbagbo. Hein. Mais vous pensez que Nadi Bambala, vous-même, je ne sais pas, vous pensez que c'est sa femme. C'est-à-dire, elle est là, elle joue un beau. Si c'était vraiment Nadi était là pour Gbagbo Laurent, si elle était sa femme, c'est eux chez les musulmans, là, ils savent comment ils traitent leur co-épouse, surtout la première. Elle pouvait, si elle était dans le combat comme nous, au combat l'impérialisme,
Elle pouvait dire à Babo Laurent, va tout seul. Et de la foule, ça, ça dit, maman bébé, va tout seul. Va tout seul. Pour rentrer dans l'histoire après, là, on va régler nos problèmes. Mais est-ce qu'elle ne pouvait pas faire ça? Nikita de Ben Korogo, ça, ça dit, ma petite soeur chérie. Hein? Elle ne pouvait pas faire ça. Dans la vie, là, il y a des concessions. Hortense Valio, excusez-moi, je suis tellement, je vous dis toutes les nuits, je pleure, ça va pas. Elle pouvait faire ça. Va faire ton combat. Le reste, là, c'est privé. Même si c'est présenté. Et puis, le monde entier, ce qu'on a prévu, la fête. Et puis après, il divorçait. Nous, on s'en fout. C'est sa vie. Mais c'est qui a fait là? C'est ça qui fait que nous, on est prêts pour maman. Maintenant, vous nous appelez de venir dans votre merde de PPAC. Qui va venir? J'appelle les ouais. Ah, ouan, maintenant. J'en ai pour 5 minutes dans ma langue. De Okanya, moi, on a PPAC, ouadé. Et c'est Babo Blen. Tabataba de ne si a bagbo e parti ne wada a pepe a se ye. E si a drouble e si a goble ba opa ye di e. Awasu ozi. Awasu ozi. Awadu ni anon matin ke iba wadi a ene mo on bon wadu otma o gwa mwande. Obya wadu anon mo. Nyon no e. Ou no kontre de. Ba non je ibo bum a ebo jom mo bum a blu a ye ibu. Ou blu a mwa ponon jono ponon jono. Mout paye, ke y va nou a bon yor badi. A wa dossier nendi. Bo sien o diye gro, o diye o mont, ma o diye. E di yo. Pase bo siye gro, yine a kan, on ye men. E ganso mwane di de, ene de zan, on ye men. Ba o se da o diya de, wa abone vwa non, wa o ne nou ye di ya yine, ne a ou ya o gwa yine. Pase ou nan de nan nan gwa yide, so a wa bon. Wo nya owe iwa o ba o pa ye die a wa subi de we nyo nu e si jun ba o nu e wa je nu wa nyu aye tun gba e wa aye won me o we keni a o ni wa nyu no bo gi ni e bo na ka gi wa e parti ne aye installe no na o na nyu ni a kule pe ye wa fun a gba o mu bobo ku da o se o gburu ja me wa be na si e li ni ma o we keni. Droven, mon nyo ni ekria, a ou ni awa nyo non, mata ba we a ni a tre diye bo. E ni a otan se ba ou a, a ni e di, ba o zia ou mwen, wa e wwe di, a ou du wwe di, ni a di, wa o pa ou e, ne pepe a ke i di e, bo a se o dba gra e, me a wa jen ou, a ou bo pa ou a jen, e ne kuto bo. Bo a se o dba, bo zon di, ni a zon kru, Nyon do ya abwe de tmon. E ni a simon ou bagobo nou a ye abri e. A ya o tmon. Wa ou yu, a ou yu fu. Wa e de wan bon ou ye blagi a obo ou ya ou nye. Men be ne amu e gye ou ni a obo ni a non a ye ou. A ou de da ou de ya. Di a gya ni a e wa ya gya. Ya gya pa se pou bwase ou na abwe e yon. E kme e nyon bo nyon jini. Gwo mo jon sou nyon pa bo yon a to a sa kwa sou nyon a to e wadba. Asse ene zmi ya di de ne wa yon an yon apwa o kwen wa e ek mo zmi asse ene. A o de da o de ya asse wun jake. Pepe asse ene asse e dine. Ame tos yase ene e do la koulo. Onse e dine, monse e dine.
Mata Basséni. Edith Denenya Séni. Ah, et non, tant c'est Bao Séni. La Zombro Séni. Denenya Séni. Mais au Kiria, Wadje, Wadene. Et pas de mon à Kounia, ouais, de genuin, ya, 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 but more, but I just want to go. So me, I don't know. But me, Pepe, I say, we give you a bit, I don't know. I say, Babu, how do you do? Now, we can. Let me hear you all. Pepe, I say, I say, Babu, how do you do? Keep playing. Not the bamba, bro. Now, we can. I say, come here, you know, why don't you say, I'll be big, blah, so I will, blah. I'm not, I'm me. Ah, your death, Yahweh. I watch Yahweh now, only every one block, when I only give block, wait. Oh, do my book, what the moment? What you know, we all don't see why you are back out dead out there. Then, Buzan, Eddie. I only on the clip, I mock, I know, dear more, Yahweh, they'll keep block, where I'm block, where? No, Yahweh, dear, dear, more. Ah, boy, I will move, what ye? Would ye so no bui? Kinda. Katosia meda, kakei baoda, kamata bada, kaotas baoda, kao de la kulda, ka zombroteda. Bougie, au nu bui, ka dite denenyada, de nuan na akada. Aso bodene, une anna, une avonto, mege moi et moi, tout le plaire, chante eneza unia, ou bra tout le plaire, unna, un se dine fosso. Même on voit qu'on est au diawan et qu'il y a assez pépé assez iné. Voilà, assez pion si a aussi à au libre, on a aussi au besoin, on a aussi au besoin, ok. A bonon, à tout voir d'iné, pas de bacla, bacla, iné. Mais au dedans, pépé assez iné, c'est babou au parti, iné. N'a dit bamba, équipe le blé, n'a dit du moins, mon nez, nous, de bagnou, courba, en haut, y a vu, ou de bagnou, dans mon nez, boubi. Ba o se yi bwe, meke ene a o te da o dia. A o gulo bwa de li. Don fami, se sa ma haine. Se pou sa je de la haine anze na di bamba. Le président Laurent Gbagbo la, se quelqu'un d'important pour nous. Pour moi, et pour tous pour les Ivoiriens. Mais ce qu'elle a fait là, c'est qu'on va assister le petit Assimi Koïta, tout le monde en parle aujourd'hui là. C'était la place du président Laurent Gbagbo. Hein? C'est lui, les Africains attendaient. On va nous sortir une saleté le 17 pour dire que c'est là. C'est une première dame et nous on va accepter ça pour notre combat aujourd'hui là. Il parle du président Laurent Gbagbo. C'est parce que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Vous êtes dans du rêve. Vous n'écoutez pas. Moi-même là, j'ai honte de parler du président Laurent Gbagbo dehors. Je vous dis la vérité. J'ai honte. Autant je parle bien du ministre avec fierté, mais j'ai honte. La première fois que j'ai ouvert ma boîte, que j'ai parlé de lui, l'une de mes patientes a dit, mais il est venu avec une maîtresse, il paraît. J'ai fermé en même temps. Je suis passé à autre chose. Ils sont au courant. Hein? Mitterrand a une maîtresse, vous avez vu ça? Ce qui s'est passé pour nous là. Et d'autres vont dire, comme il veut vivre correctement, il ne veut pas vivre à lui-même. Vous pensez que ce qu'il a fait là, celle qui peut redorer son blason, je vais vous dire, si vous êtes intelligent, c'est Simone Gbagbo. Donc nous là, on se bat pour que Simone Gbagbo sorte son mari de cette merde là, ou son camp. Et les Mathieu avec qui il était là, où ils sont en train de l'enterrer. C'est Simone Gbagbo qui peut laver la France. C'est pour ça nous tous là. J'appelle tous les Ivoiriens, tous les Africains qui aiment Laurent Gbagbo de se joindre à Simone Gbagbo dans le mouvement des générations capables.
C'est Simon Babo et son fils Charles Brévoudé aujourd'hui là qui vont sortir Babo de cette merde là. Sinon ça là, eux ils sont en train de préparer ces funérailles. Je vous parle de quelque chose. Ils sont même pas prêts. Ce que vous voyez là, ils sont pas prêts les Damanans. C'est une guerre de succession qui se passe. Voilà à l'heure qu'ils sont. Hein. Regardez sa vidéo, qu'est-ce qu'elle a dit. J'ai écouté une petite partie, tout est écrit déjà. Ils sont en train de se battre. Même elle-même qui a fait la prison, ils l'ont chassé, non? Ils l'ont chassé, nous, on sait ça déjà. Alette a été chassée. Les gens sont là pour manger. Donc, moi, j'appelle encore, j'insiste. Le samedi 22, là, la sorcellerie, la franc-maçonnerie qui aura lieu au Kremlin 17, là, hein, présidée par PPA Dibé Seri qui prêt, là, n'y allez pas. Il y a un jeune qui m'a appelé tout à l'heure. Après lui, deux femmes, deux sœurs. Naomi, on se voit samedi. Après, ben, j'ai dit moi-même. Je leur ai expliqué, ils ont compris. Nous, on va passer le temps à expliquer. Ah bon? On dit la répétition, là, c'est une pédagogie. On va expliquer. On va expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce que ça là. Hein? Le groupe des sorciers, Dinamori, là, qui se dit son parti politique, c'est du n'importe quoi, c'est du fla-fla. Voilà, c'est une sorcellerie pour combattre Simon Babo. Dans leur tête, c'est ça. J'ai dit, c'est nous là, on va casser vos ailes. On va casser, ça ne va pas décoller votre truc là. Regardez son nom. Nous faites tout, vous envoyez. Madeleine Kondo, moi seul, ma soeur, sois saluée depuis ta position. D'une femme de Côte d'Ivoire. C'est comment ça est, même si tu es américaine, tu es ivoirienne d'abord. Hein? Donc, vous ne comprenez pas la douleur que nous avons. Ça fait mal. Ça fait mal. Le président nous a fait très, très mal. Ce n'était pas le moment. Le divorce, là, dans la vie, ça arrive. Mais viens d'abord. Tu es parti seul. Tu dois revenir seul, accompagné de ton fils. Non, non, fabrique cette saleté-là. Madame a une fait ses demi. D'après ma fille, ma petite soeur, jamais veillerait parce que l'autre fait ses dévongés. Une fesse demi qui vient se jouer là-dedans pour gâcher notre combat, le monsieur devait rentrer dans l'histoire. Elle l'a fait rentrer tout droit dans la poubelle. C'est ça là, on va accepter. Mais on va dire il est marié, c'est sa femme, il vit sa vie. Vous ne voyez pas que les gens mettaient sa photo, vous allez voir sur vous, vous allez voir les likes. Avant quand moi je mettais là, ça chiait comme ça. Les likes partaient. Vous ne voyez pas, je vais faire des directs. Je dis, je vais avoir pour. Vous allez entendre des Gabonais, Centrafricains, Cambodgiens. Vous allez entendre ce qu'ils disent. C'est parce que vous ne savez pas, vous voyez comme ça. Quand on parle, vous pensez que nous, on parle pour parler. Comme ça, vous allez les entendre en direct. Ceux qui ont vénéré Babo, qui idolâtraient, ils sont déçus. Ça là aussi, on ne peut pas dire. Si vous êtes intelligent là, quand nous on dit ça là, vous devez arranger, dire au monsieur, attention ce que tu fais, essaie d'arranger et dis à la petite prostituée qui est à côté là, Nadi Bamba, que attention, cache-toi comment tu étais avant, on va nettoyer le gars. Mais vous ne pensez pas à ça. Vous êtes là, elle manque de respect, elle manque de respect. Je manque de respect à Babo Laurent, mais vous ne savez pas ce que nous là, les gens nous parlent. Nous qui faisons les vidéos, les gens nous parlent, la déception est grande. Les gens sont dégoûtés. Ce qu'ils ont vu là, ils sont dégoûtés. Ça ne pas. Moi, il y a des gens que je ne peux plus voir ça. Les Mad Kouati, les Zoukaf, Castro, hein? les Maman Yvette, plein. Hein? Céline Lucie, plein qui sont tombés dans ce combat. Même s'ils étaient malades avant de rentrer. Je ne crois pas, je ne crois pas. Mais ils allaient avoir leur vie, maman est bête là. Elle prend sa jambe, elle roule le tout, elle prend sa jambe et puis elle fait écharpe. Tellement elle est souple. Vous parlez, moi mais j'ai jamais. Quand on va à la elle, elle croise ses jambes comme ça autour du dos. Sportive. Mais ton cœur a lâché. Les gens n'ont pas pu. On dit que les artères là, ils se fritaient comme ça. La fatigue. Vous savez pas. Ça là, vous connaissez, vous ne savez pas, vous pensez que ça fait pas mal. C'est une dame, mais quand j'ai été la voir à l'hôpital,
La semaine où elle devait décéder, on savait même pas, elle devait sortir. Et moi, elle m'a dit, son mari était là partout, était. Elle dit non, pardon. Elle a regardé partout, moi, et moi, elle me disait toujours, je t'adore, ma fille, je t'adore. Et puis on rigolait, j'ai dit, maman, on aime Dieu. Et puis on rigole. Elle dit, n'abandonne pas le combat. Tu t'en es quasiment, ils sont morts. Hein? D'Alger. Plein comme ça. Pourquoi ces gens-là seraient d'Alger depuis qu'on l'a piqué devant une expo. Hein? Quand on l'a piqué là, il ne s'est pas réuni. Son pied, là, ils ont piqué ça bien même où vous n'êtes pas qui marche. Mais ça, vous ne savez pas, ces gens, on ne peut plus les voir. Hein? On ne peut plus les voir. C'est fini, on ne va plus les voir. Le papa Porqué, hein, Abdraman Sangaré, tout cela, on ne va pas les voir. Les Ouloto, hein, on ne va pas les voir. Ça là, ça vous dit, plein de jeunes sont morts dans la lutte. Les, comment elle s'appelle, la maman des Prisca de Facebook, là. Tout cela sont morts. Comment il s'appelle, Boli Claude. C'est jeune. Ça là, vous ne voyez pas. Donc quand nous on parle, vous ne comprenez pas pourquoi on est fâché. Nos amis qu'on ne verra plus. Et on vient nous montrer des conneries, des conneries, le 17. Et ça là, on va nous dire, c'est parce qu'on est très respecté. Moi, si ce n'était pas, si ce n'était pas le plus l'amour que j'ai. Moi, si je n'aime pas quelqu'un, je m'assois et puis je t'insulte. Ça ne va pas quelque part. Que j'aime le président, que j'ai pris sur moi. Et ça m'a donné l'hypertension. Je n'avais jamais eu d'hypertension. Ça m'a donné l'hypertension. J'ai pris sur moi. Je me compte. J'essaie de me contenir. Sinon, ça là, c'est 2 secondes de chier. Oh. C'est 2 secondes. Mais quand je pense, je dis, c'est mon père. C'est mon père. Je garde. Mais c'est trop. Trop, c'est trop. Donc il faut que vous compreniez la colère de ceux qui s'asseyent. Hein? Comprenez la colère de ceux qui s'asseyent et puis ils parlent mal. Ils ont le droit, c'est leur droit. Comment ils ont marché? Il y a des trucs qui sont là, vous levez. C'est vrai, vous dites, c'est temps qu'il vous attaquez. Il a fait ça, vous l'insultez. Vous ne voyez même pas ce qui se passe là. Blé vous dites ce qu'il dit là. Si c'est toi là, mets-toi à sa place, tu vas aimer ça. Il est parti en guerre avec son père. Ils ont gagné le trophée. Et puis son père dit, je ne te connais pas, reste ici. L'avion vient et puis lui démarre. Il le laisse. Si c'est vous là, je crois que Blé même il est sage. Un jour que vous allez sortir. Bon. Un jour que vous allez sortir, on n'allait pas vous remarquer. Et vous reconnaître. Mais quand il y a la vérité, dites la vérité. Ça arrange aussi le président Laurent Gbagbo. Et Dieu. En disant la vérité, Dieu a compassion de lui pour le libérer de là, des géants. Mais vous ne voyez pas. Vous trouvez qu'on doit se faire, même si on subit. Pourquoi? Parce que votre banque là, c'est le nuit. Vous avez faim. Nadie vous donne à manger. Taisez-vous manger. Ou bien vous êtes bête. Chacun n'a pas le même niveau d'instruction. Nous, on a été à l'école. On ne s'est pas promené à l'école. Donc on réfléchit, on a fait des dissertations, on disserte, on regarde un sujet, on l'analyse. Hein? On ne peut pas être des moutons parce qu'on aime quelqu'un, même si on va beaucoup que j'aime. Ce n'est pas tout ce qu'elle va dire, je vais dire oui si je sais que c'est mauvais, pourquoi? Parce qu'elle paye ma maison. Aimer quelqu'un, c'est d'être capable de lui dire la vérité quand il fait des bêtises. C'est comme ça, parce que tu le protèges. Tu ne veux pas qu'on le salisse. Donc tu lui dis non, ça c'est pas bon. Mais vous dites que vous aimez Gbagbo Laurent. Il fait des bêtises qui sont en train de ternir son image dans le monde entier. Vous dites on y va. On y va où? Oh vraiment. On y va où? Dites-nous, on va y aller aussi. C'est comme je ne suis pas bête pour y aller. Et je sais que c'est dans un trou, je n'irai pas. Vous m'entendez pas? Si vous m'entendez, envoyez des cœurs. Parce qu'il y a le frère Tapé, Thierry qui dit ne m'entend pas. Donc il faut
il faut être honnête, hein. On ne peut pas accepter ça. Ce qu'on a vécu le 17, là, c'est grotesque. C'est trop fort. Si nous, on n'était pas costaud là, on a pris tension, l'hypertension dedans, mais d'autres sont morts. Les gens ont fait AVC. Regarde, il a quitté le... il est sorti des prisons, il est parti au Ghana. Même pour voir les gens se sélectionner, il n'a même pas vu les plans de réfugiés là. Les gens qui... Moi, je parle avec certains qui me disent, ah, on ne sait pas, on ne le reconnaît pas. Il y a des gens qui sont au Ghana à cause de l'amour du président. Ils sont encore au Ghana. Je n'ai pas envie de citer leur nom. Mais ils sont malheureux. Ils sont dépassés de ce qui arrive. Ce qui est le président, son comportement. Ils ne comprennent pas. Ça là aussi, on ne peut pas le dire. Quand les gens nous les cyberactivistes, quand les gens nous approchent, disent vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Le président, moi, il y a un proche qui m'a dit, je ne reconnais pas mon ami. Il dit, je ne reconnais pas mon ami. Ça fait mal. Parce que les gens ont mis tout en président. Mais moi, je ne sais pas. J'aime quelqu'un. Mais je dis, ce qui s'est passé, je dis, là, ma tension monte. J'appréhende déjà. Le 22, j'ai dit le petit a fini Koïta. Et il est passé comme ça sous le nez de Opa. Ça me fait trop mal. Je ne suis pas jalouse des Maliens, loin de là. Mais cette place-là, c'était pour notre icône, le grand Babo. C'est lui, là, qui devait, je ne sais pas, fêter comme ça, triomphalement. Regardez partout où je dis à Sini Koïta. Son message dit à son peuple, quand je lis et puis mes larmes coulent, la sagesse de ce jeune homme. Ça là, c'est ce que je voulais pour mon papa. J'allais m'asseoir. Vous ne savez pas. J'ai mal. Vous ne savez pas. Ce que j'ai fait, moi-même, j'ai fait. Dans mon métier là, je te dis. Je vous dis, j'ai des patients dont les enfants sont des gens haut placés ici. C'est-à-dire qu'ils sont même, d'autres sont dans le gouvernement. Je me suis occupée d'une de mes patientes, son genre de ministre. Le frère Jo Mamadoula, il est au courant. Il était ministre. Mais ceux-là, j'ai parlé de Laurent Babo. Qu'on est là comme ça, je parle de Laurent Babo. Et j'ai vu ce que la France a fait. C'était des risques à mon travail parce que je ne dois pas parler politique. Mais je leur dis, même à la pharmacie où j'étais, j'ai dit mes opinions, mes engagements, mon engagement pour mon président Laurent Babo. J'ai quitté la pharmacie qu'on a bombardée. Quelques temps après, je dis, j'arrête. J'ai pris la bouche, j'ai déposé, je suis rentré, j'ai dû au revoir, je ne suis plus revenu. Pour mon pays, pour le président Laurent Babo. Mais ces gens-là, après, ils se moquent. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous savez, les blancs, ils sont comme ça. Hein? On vous t'avait dit non, le charlot, il est venu avec sa maîtresse. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu ne vas pas frapper quelqu'un? Tu le regardes, tu as envie de le claquer, mais tu vas faire quoi? C'est la vérité. Sauf qu'il n'est pas salaud, mais il est venu avec une maîtresse. Hein? Il est venu avec une maîtresse. Et il nous dit, voilà, on vous avait dit que c'est quelqu'un. Hein? Il n'était pas... Mais j'ai entendu des choses. J'ai entendu trop de méchanceté. Le président a déconné. Ça là, on peut lui dire, même si c'est votre papa. Mais si vous ne lui dites pas, comment il peut savoir? Moi, je ne lui dis pas d'épouser Simone Babo obligé, notre maman. Je ne lui dis pas. Mais je dis, tu as fait ton combat. Tu étais devant la porte de l'histoire. Tu rentrais par la grande porte. Oh, Mandela est sorti, même plus. Parce que toi, ils t'ont déporté. Tu es seul contre tout le monde entier.
les as pillés. Mais ça, tu imagines. Les gens, les Manouchka, là, quand ils ont appris, la soeur panafricaine Manouchka, qui est au, en Angleterre, quand ils ont appris que le président Laurent Gbagbo, ils sont partis déjà saluer maman. Les, à cause du le combat du président Laurent, Kémi Séba était parti en Côte d'Ivoire, il n'a pas été bloqué. Tous ces jeunes-là s'apprêtaient à aller fêter le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Regardez ce que ça donne. Et vous voyez ça, vous êtes là. Mais vous rêvez. PPACI là, vous rêvez. Les panafricains là. Hein? Samedi dernier, je n'ai pas fait mon dîner direct vers les, chez les mamies. Le 22 je suis encore là. Ils sont déçus. Ça descend pas. Ils sont déçus. Ils reconnaissent que le président Laurent Gbagbo avait compris. Mais cette manière-là. Là, même ça, il dit. Non, Bouddha Kosonka, Aya chrétien, Djou Koson, ça veut dire à cause du sexe, il a cassé son combat. Moi-même, j'avais honte. J'ai dit, mais non, c'est pas ça, de toute façon, c'est les blancs, mais ça passe plus. Koumoussoko, ah, Baboya Moussoko, Koni. Voilà, ça fait honte. Ça fait honte. Panafricain, grand panafricain. Qui est tombé à cause d'une fesse de demi. Fesse de demi, l'autre est démonté. À cause de ça, pas bonne fesse. La toque. Ça, là aussi, on ne peut pas parler. Ça fait mal. Nous, on a laissé notre santé dedans. Moi, je n'ai jamais pris, je n'ai jamais eu de tension. Rien. Ça m'a dit. Mon père, même étant du corps médical, nous a jamais habitué à des comprimés. À chaque fois, il dit, ça va aller. Va dans les lois, calme-toi. C'est ici, là, à cause de l'hiver, là. Que je vais prendre évidemment. Tellement ça a chauffé même la tête. C'est ça là. On va regarder pour dire, parce que j'aime le président, ou Gbagbo va, je vais. Vas-y. Allez-y. Mais il ne faut pas dire, accuser, ou bien en vouloir à ceux qui ne veulent pas y aller. Pourquoi on est obligé d'aller? On n'est pas obligé d'aller. Vous, vous voyez la vérité. Et vous voulez la traverser. Et vous l'accompagnez à l'abattoir pour faire cette funérailles. C'est normal. Ça. Vous savez très bien. Il y a quelqu'un qui dit, ah donc même Nadia espionne, hein, depuis 20 ans avec toi. Ça c'est l'électrique. Parce que l'espion, là, même il est au travail, 40 ans c'est son travail. Lisez les livres d'espionnage russe. Il est au espion là, c'est-à-dire jusqu'à sa retraite. C'est ton travail. Tu peux faire enfant. Tu peux même... tu fais enfant qui est à la maison. Mais ce n'est pas ton mari qui a un travail pour le bloquer. C'est de son vin. Quoi, depuis 20 ans. Ça, c'est manque de jugement. C'est des gens, quand tu as été à l'école, un peu, tu sais un peu analyser une situation. Il faut lire ces livres d'histoire. Voilà. Vous allez voir, les vrais espionnes, elles sont là. 4-5 gosses, elles sont au boulot. Elles sont au boulot. Quand le monsieur s'en va, elles ont des micros, elles placent. Tout ce qu'ils font, on est sûr. Il est là, il ne sait pas. Vous savez pas ça. Ça, on va vous apprendre. Je dis, je suis la Daïchi de corps. C'est de ça qu'on parle. La KLMP, je suis en bambou. Parce que je connais dans la tête. Voilà. J'en ai. Que les gens, il y a des gens, ils sont mariés avec une femme et tout depuis, et après ils s'en rendent compte que la dame là, c'était elle était au boulot. On a vu ça. Elle est espionne. Beaucoup de gens, certains chefs de cas qui ont été assassinés, c'est par leur femme. Si elle était mariée, vraiment, par amour, vous pensez qu'on va la payer? Moi, je suis là, venu me payer, je vais tuer mon mari, je bouffe son argent, cadeau, et puis il n'y a rien. Mais les espions, hein, c'est à elles que l'on va tuer le mari. Parce que c'est dans une chose, non. Vous n'avez pas vu quelqu'un, une femme qui se marie par intérêt. Elle n'aime pas le gars, mais elle est là. Arrêtez de nous fatiguer. Voilà. Nous, on va dire la vérité. Ça, là, personne ne peut nous empêcher. Donc, pour même pas vous aller venir nous embrouiller, vous dire, oui, hein. Hier, une amie, elle était dans un magasin, je suis ici, il y a un monsieur. Elle
elle dit, comme elle blague beaucoup, elle était dans ma dernière vidéo, mais elle m'a dit, elle dit, toi tu es ivoirien, elle dit oui. Elle dit, ma copine, tu es babo, quoi, elle dit, moi je suis babo. Elle dit, ah, ma copine aussi est babo. Et puis, il dit, comment elle s'appelle, elle dit, Naomi, ah, le groupe de folles là, hein, les MC Bourou, ma tabac, elle a commencé à nous citer, elles sont folles, elles sont vendues, hein. Et Ouattara leur donne l'argent par Simon Babo, réagis-moi des raisons. Je l'ai pris. J'ai dit, mon frère, comme on m'achète là, viens m'acheter. Hein? Viens m'acheter. Il a maudit, il va traiter. Il dit, c'est moi qui ai fait. J'ai dit, tu es maudit, ton maudit. Mais c'est jusqu'à ta dernière génération. Si on m'a acheté, on m'a pas acheté. Maudit, c'est ça. Maudit de ta famille. C'est-à-dire, ils sont dans n'importe quoi. Si on devait m'acheter là, c'est pas maintenant. Ahmed Bakayoko là, son chef de sécurité, il m'a appelé ici. Hein? Viens faire tes affaires au pays, on te donne des terrains derrière. Il dit, je suis des engrais, avec l'argent, tu fais tes trucs. Je dis non. Ça m'a dit, va parler à Babo, là. Ça ne m'intéresse pas. Moi, il m'a engagé, mort. Et tous les bons babres, regarde. Moi, je vais prendre l'argent pour venir. Pourquoi? Dieu m'a fait grâce, je ne suis pas handicapé, je peux travailler, avoir mon argent. Donc nous, moi là, nous le voyons là. J'ai dit les hommes, vous pouvez les accepter. Nous, les femmes, ouais, là. On a la tête sous les épaules. Donc voilà. Au Conori, on l'a payé, on l'a payé. Venez payer alors. Comme on paye, c'est facile. Venez me payer. Alors. Donc, je ne veux pas nous emmerder. Bon, oui, Lucienne, il n'y a pas de son. Ah! Il n'y a pas de son. C'est bizarre quand même. Les gens, ils ne disent pas, hein, c'est toi qui me dis ça. C'est ton portable qui déconne. Le son, il est bon là. Il est au maxi. Imagine, c'est ton portable peut-être. Aïe, c'est encore venu chez lui. Ah, mais c'est la même. Pangouro. Vraiment, va acheter portable. Il ne faut pas venir m'emmerder. Hein. Les gourous. Hein? Pour nourrir dans les pauvres. Votre femme gros et faux gars, gros, esclave que vous êtes. Va acheter bon portable. On n'a pas dit de partir marcher du gros là-bas pour payer les trucs portables moins chers. Ou les gros sauvages, là, il n'y a pas ça. Viens, viens nettoyer tes oreilles. Vous dites, hein? Vous inquiétez pas, hein, ce sont nos esclaves, les gros. Depuis qu'ils ont téléphone, on ne peut pas rester, il n'y a pas de son. Une gouro, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Va changer le téléphone. Castara Maraca. Les gouros souffrent avec moi. Elle dit, c'est Ibi, on dirait bonne personne. Tous les billes que tu mets là, ça veut dire quoi? Tu n'es même pas bonne personne. C'est Ibi, Loubi. C'est Ibi, loup, bi, loup. On dirait que tu regardes loup, ça veut dire enfant de. Tu vois, papa même, il est con que la fille. Aujourd'hui, c'est mes esclaves. Arrêtez de vous appeler loup. Nadie loup, il y a un loup. Quand on dit loup, c'est enfant. On voit papa même, il est plus con que sa fille. Eh, gourou, il n'y a pas son Dieu. Je vous aime quand même. Ah, le son est faible. Ah, mon esclave, donc désolé. Hein. Mais il fallait que je vous braise quand même, parce que quand je suis énervé, je braise mes esclaves. Il y a une qui veut parler. Ah non, les gens, ils nous font du... Ils pensent qu'on n'aime pas Opa. Opa là, moi je sais, hein, c'est mon père. Mais il a... C'est pas pour lui. C'est là où dit aujourd'hui. Pourquoi je dis aux gens, c'est pas pour lui, ça n'est pas adhérer là-bas. C'est ça qui est la vérité. C'est quoi ça est? Mon frère, ou ma soeur, dans cette chose, donc au pays, il y a ici. Nous, on baille ça, hein. Donc, ceux qui veulent intervenir, venez. On dit, il y a peut-être la série qui près du dé. Tu fais ta sortie. Le clan des sorciers. Des sorciers. Donc,
Nous tous là, on est sortis pour Babou. Mais c'est parce qu'il y a Zahir. Et moi, j'ai mal. J'ai mal parce que sa place, c'est là, là. Lui, c'est-à-dire qu'il était assigné sur l'État, qui le connaissait, c'est qui? Lui, il a copié Babou Laurent, qui a tenu tête à l'Occident. Mais aujourd'hui, il nous a pas. Ça fait trop mal. Il nous a poissé même. Aïe. Et si on va rester là, il dit non, c'est pas un dit, comme on aime Babou. Non, c'est pas lui rendre service. Lui-même, il a dit, le un président choisi, le conseiller qui dit ce qu'il a envie d'entendre. Nous là, s'il nous choisit, il va mal entendre. Ils m'ont dit les kenne, kenne. Et puis les bombes là, c'est qu'on lance dans les oreilles. Et puis ça dit. Il y a un parce que ça, ça dit. Donc, on ne peut pas accepter ça. Quelqu'un qui n'aime pas Babou, qui a été affronté Draman Ouattara dans l'histoire des valises diplomatiques. Donc, comment vous voulez que je vous dise? C'est parce que ça m'énervait que le monde entier dise que Ouattara est bien, il travaille bien, l'économie monte pendant qu'il vole. J'ai dit, on va attaquer ça. Ma fille, tu es où? Maman Babou, présent. Allez, on y va au charbon. On a été. Tout ça, même les RDA, qui sont avec eux, nous ont dit, vous êtes forts. Ce que vous allez faire, respectez plus, sinon, nous, on est le mouvement. On a affronté Ouattara quand il vient ici à Paris. Quand Ouattara vient, il sait qu'il va les partir, va ensemble. Assassin, c'est moi qui dis ça. C'est pas pour nous enlever les pieds. Si le trace, quand il vient là, quand je ne viens pas, il est tranquille. Quand je sais qu'il est là, lui-même, il sait que quelque chose va se passer. Ça, là. On n'aime pas le bouche. On a fait beaucoup de prix des panafricains, leur tas. Et puis on a parti le pousser, aller jusqu'à Chiritaï, puis le réseau. Donc on n'aime pas le bouche. Dominique Ouattara, quand elle va, où elle va pouvoir casser dans le 16e? Où elle va plus là-bas? Parce que tout le temps, j'étais là. On m'a dit, je dis qu'elle va là-bas, tout le temps, dans la fille. Je n'aime pas le bouche. Donc arrêtez de nous distraire. Voilà. C'est parce qu'on aime Babou Laurent qu'on dit Babou en tant un truc qui gâche son combat. Nous, on va le dire. Il est dans un truc qui gâche son combat. Et ça, là, depuis qu'ils ont dit qu'ils ont rendez-vous le 22, le club des sorciers, tous les gens m'appellent. J'ai reçu même une qui m'a envoyé une soeur. Je lui ai dit, c'est bien bon courage, mais je ne suis pas au PPAC. Parce que je ne suis pas pocheton. Moi, les trucs, les transfuges, là, je ne suis pas dedans. Je n'aime pas le faux. Voilà. Je suis, je dis à la personne, je suis MG, et je reste et je demeure. Donc, je ne me bats pas pour le mouvement. Les gens parlent, MG, c'est l'avenir des Ivoiriens. C'est le mouvement qui pense au bien-être des Ivoiriens. Parce que actuellement, là, c'est Simon Babou qui va se sortir et son. Qui a deux qui sont sortis, hein, ça vaut le rang de la miade. D'après ma mère. Dans la miade qui s'est mise en bon. Donc vous pensez qu'on va le laisser là. C'est pour ça que nous on soutient tout le monde. C'est la seule qui peut le libérer, les géoles de la du Bamba. Hein? Enfin, la du Bamba qui est au service de. On va voir ça, on dit non. Tout ça, ta fille allait se faire du bien. Je voulais que ma fille, les jeunes, sont soyeux. Pardon. Sont soyeux. Un foyer. Elle dit son foyer. Je lui ai dit soyez ou son soyeux. Son soyeux. Non, tout bien. Vraiment. Les gens, ils pensent qu'on est. Nous, on a donné de nos. Ah, bon. On a donné la santé aujourd'hui qui est plus importante dans la vie. Et on allait, ce qu'on a fait, on allait économiser notre énergie. On allait kenne-kenne. Moi, avant, j'étais kenne-kenne. Maintenant, ça ralentit. Parce qu'il faut faire tous les gens. Si les gens vont venir nous dire, les gens qui sont assis derrière, fait, moi, je ne suis pas Babou. Dans ce qu'il est, je ne dis pas que je l'aime pas. C'est mon père, je l'aime. Mais dans ce qu'il est là, qu'il envoie à l'abattoir, qui casse son combat, je ne suis pas.
Je ne vais pas le suivre déjà. Si je le suis déjà, je suis une sorcière. Mais je ne sens pas. Même ma bien-mère qui est assise là-bas. À chaque fois, elle dit ça. Elle dit là-là. Je suis le Dieu. Elle est très croyante. La chitane dit je suis Dieu. Dieu va le libérer de cette sorcière. Ma vie est une sorcière. Vous ne voulez pas qu'on lui lance les fleurs. Moi, lancer des fleurs à une sorcière, je ne suis pas criminelle. Je ne suis pas hypocrite. Je dis la vérité. Alors, tous ceux qui sont dedans aujourd'hui, moi je les attends. Le jour, ils vont voir la vérité. Et qu'ils vont revenir et dire, Naomi, pardon, je perds. Je perds de plus d'estime de quelqu'un. Et tu dis, tu avais compris mon nom. Parce que je sais que ça va arriver très bientôt. Merci à l'équipe. Ça va arriver. Ma bonne mère va continuer. Mon Dieu, mon Dieu. Ta femme et lui sont en mission. C'est Simon, ma bonne qui va le faire. C'est ta belle aussi. C'est qui va le laver. Merci. Il est salissime de la vie de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas accepter. Vous, ma belle, il est mort, il est là. Manga et regarde. Papa, confie et regarde. Abdraman, s'en arrête et regarde. Tu l'as même sur la tombe duquel il n'a pas été encore il est arrivé. Il sait que dans peu de temps, son frère jumeau va être libéré. Parce que ça, là, Dieu ne peut pas le faire. C'est que les Ivoiriens n'ont pas pris le bateau. Les gens sont toujours liés au bateau. Ils savent qu'il est dans une prison. Ils ont transféré simplement en Côte d'Ivoire pour continuer sa peine. Sur ce, le 25, le 25, c'est le 25, ma fille est là, elle va tuer. Elle va tuer. Hein? Elle va tuer le 25. En tout cas, mon bébé, elle va parler de. Ce n'est pas pour les enfants. Donc, vous qui êtes là et puis qui voulez qui la dénigrer là. Aïe. On a vu, hein? J'ai vu un truc hier. Son nouvel appart. tout en semaine. Donc, vous qui dites la pafloteuse ou paflot. Pas ici au sorti là. Mec, allez demander plus de machines à la maison. Mon mari est dans le métier. Mec, frigidaire, mec, allez de même comment dire, gris, pain, mec, c'est pas pour mes enfants. Tout est en mec. C'est quoi ça passe? C'est comment ça y est? Aïe! La daïchi des influenceurs. Elle parle pas trop. Aïe! La daïchi des influenceurs. Vous êtes là, oh, par l'autre, elle va vous montrer ce que c'est que c'est. Les vrais qu'elle, les vrais oui. C'est moi, ça. Moi, j'ai dit de lui faire la vie, voilà. Il y a des choses qui vont expliquer. Les attaques comme ça, ça va, c'est-à-dire, Dieu multiplie le bonheur qui arrive. Elle est arrivée comme ça. Regardez-le aussi. Donc, le 25 ans, en tout cas, vos cartes bancaires n'ont pas crépité. Qu'est-ce qu'un crépite hein, pour les étoiles? Qu'est-ce qu'un crépite? On dit on aime quelqu'un, là, c'est comme ça. Il faut que Abidjan, je vous remercie, pour l'œuvre que vous avez, faite en son nom, pour Aïe, que vous avez donné, les 15 millions. C'est ça, on dit on aime les gens. Donc, le 25 là, il faut que ça crépite, hein? Hein? Il faut que ça crépite, je dis, la veste des influenceurs. C'est pas ma fille pour rien. Hein? La veste des influenceurs. Elle va, non, elle va tirer. Je dis, Zuckerberg va demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais voir ces questions. Écart toujours. C'est ça qui est la vérité. Donc, famille, une petite parenthèse aussi. J'ai vu la vidéo de Cynthia. Vous savez,
C'est vrai que vous avez été choqués. Il y a une de mes filles qui dit, maman, tu n'as rien dit, ça c'est un poste à répondre. Vous savez quoi? Moi, je vous ai déjà dit, essayez de faire. Et Kala, pourquoi je viens? Depuis, je ne suis pas Bohémie. Ça m'a suffi. Ça m'a suffi de comprendre ce qu'on dit en Israël. C'est ça, parler de Dieu. Pendant que nous, ces mamans, on était au charbon, le monsieur voulait faire friquine avec le mandat. Ce qu'elle a dit, ça a pris. C'est pour savoir t'en envoyer des gens. Donc, je vous ai dit, les influenceurs, soit disant. J'ai regardé quelques vidéos, il y a une qui a dit oui, dans nos comités, on s'est dit que le président devait nous recevoir. Je vous dis, ils font des trucs pour faire, se faire voir, se voir ça. Donc, cela, c'est ce qui vient de se là. Quand vous voyez comme ça, là, c'est en outil pour nous définir. Parce qu'au lieu de faire vidéo où les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire, on va faire du temps à regarder quelqu'un qui a fait, on dirait, ses lettres de comment on appelle ça, crocodile. Il regarde même, je ne sais pas. Vous ne voyez même pas profil maintenant. Elle-même voit ici, et puis tout ça, on reconnaît que le haut est beau, hein, c'est ce que tu vois. Mais enlève en bas, on va fuir. En bas, là, au lieu de mettre le rideau ici, ça on est. Enlève tout. Aïe, à elle comprend. Il y a un on a un monde. Il y a un mot, on dirait pour une chèque là. Enlève le rideau qui est là. Au lieu de mettre ça, les gens vont te draguer. Si un gars dit, tu lui plais, rendez-vous. Va prêter bouche de quelqu'un. Hein? Va prêter bouche de quelqu'un. Donc, voilà. Ils se sont effectués de manière que ça, ils ont montré. Elle a montré. Ils ont montré sa nouvelle partie. Ah, tu as vu, non? Parce qu'il est dans une vie en train d'emprunter ça, donc déjà pour faire une vie. Donc, ne perdez pas votre temps. L'enfant là, moi je vais dire, merci. Ton enfant là, c'est Dieu qui te l'a donné. Un enfant là, il n'est pas ta mère. Tu le maudis. Parce qu'il retourne contre les filles. C'est comme ça. C'est pas parce qu'elle va dire, bah, tu vas croyer un enfant. Donc, Dieu là, lui, il est bête. Parce que cette chienne là-bas dit, voici, va cogner un enfant qui est innocent, qui n'a rien fait, qui ne sait même pas d'où par là-bas étudier pour les vies. Et puis Dieu va, voici, va cogner vraiment l'enfant. Et dans ça, là, vous allez faire une défense. Je dis, quand la mort approche, là, c'est comme ça. Regardez, celle-là, elle est folle. Vous allez voir comment elle va finir. Même ces gens qui sont avec elle, les amis qui marabout. C'est-à-dire, elle est venue sur la toile pour se faire connaître. Mais elle devient folle. Elle peut faire quelque chose pour, comme les Anglais disent, pour traumatiser les gens, pour se faire un verre. Mais ça ne mousse pas. Ça ne mousse pas. Emmanuel Keïta n'a même pas besoin de parler. C'est-à-dire, tous là, elle est folle. Elle est folle. Elle est à Poutou. C'est tout à Poutou. C'est pour ça qu'ils sont là ici. Elle est pas flou. Moi-même, j'aime pas flou. Hein. Si on pouvait me nourrir ou pas flou. Pas flou, pas. On aime ça. Les petits ne parlent pas. Vous êtes là. Elle manque. Quelle porte d'une simple de dire au la sortie. À force, il si Nadi Bamba ressemblait au moins à Eka, on pouvait dire chose. Quand tu regardes Nadi Bamba, tu regardes, tu as envie de pleurer. Tu dis ça là. Si c'était Maki Eka qui a gâté le combat et puis il a regardé comme elle est belle, comme ça, elle est belle. C'est-à-dire, il y a des gens quand Dieu fabriquait, il a pris son temps, il a fait, il a tué. Nous, donc, la vie, c'est parce qu'il est abusé, il était embrouillé. Donc, comment, quand la maman a cherché avant, jusqu'à, oh, Dieu dit, hé, prends. Mais là, quand la vie a fait sauna, massage, c'est cette tranquille qui a commencé à décider de faire. Ça vous est sorti comme ça. En plus, moi-même, j'ai dit, hey, mais elle, là, c'est bien fait, là, elle-même, là, hein? J'ai dit, Dieu l'a fabriqué, il a oublié, bouche. Ta maman a pris pour lui, elle est partie, hey, hey, là, j'ai fait bouche, là, c'est tombé, avec tous les canibaux.
le matériel dedans, tout. C'est-à-dire, il a jeté bouche, il a oublié le matériel qu'il prend pour réparer, tout ça là. Il a tout jeté sur elle. Donc, c'est ça, dans bouche, et puis la série du fait. Donc, c'est ça là. Donc, famille, concentrons-nous sur notre combat. Notre combat là, c'est le pays là, ça ne doit pas décider. Parce que c'est notre combat là. Draman Ouattara, c'est la société de Draman Ouattara. Sinon, laissons cette situation. Ce qu'elle dit là, vous allez voir. Déconnectez-vous de sa part. Désabonnez-vous. Vous allez voir. Quand on va perdre les abonnés, elle va venir parler à Sikoumouche. Donc, quittez dans ça. Parce que Ouattara a vu, hein, qu'elle parle là. C'est elle qui a dit que l'autre a critiqué Ouattara chez elle. Donc, vous devez comprendre de ça. Elle veut nous distraire dans notre combat. Parce que Ouattara aussi, il a des forces de frappe. Hein. Quand on est là, là, il prend les Yorkshire, la comme des fils à pays, nous, les là. Et puis nous, on se débat avec elle dans le temps. Pour lui, un jour de bataille ou trois mois de bataille avec Sidia Kéré, c'est beaucoup pour lui, il est gagnant. Donc, laissons là. Ce n'est pas qu'elle maudit l'enfant de la vie et qu'il va maudit. Est-ce que Dieu est bête? Nous aussi. Un enfant innocent, Dieu va l'acheter pour quoi? Bénéfice, si vous avez prié pour l'enfant, envoyez des dons de justice. Dons de justice. C'est tout. Ce n'est pas cette chienne-là qu'elle va dire. Elle n'a pas se mettre à poil loin ici pour le maudit. On va voir qui est les femmes. Elle n'a rien à dire. C'est pas ici, moi, je l'ai insulté. Pourquoi elle n'a pas venu sur nous? Hein? C'est trop de vieux chiens. Là. Pourquoi elle n'est pas venu sur nous? Elle connaît. Dieu connaît Baba et Céline ici. Là. Elle est vraie. Donc, l'esprit 5 étoiles, ma fille, il n'aura rien. Politique, c'est qu'il y a des nains. Elle n'aura rien. Elle va aller jusqu'à être cosmonaute. Voilà. Quand tu es là, là, donne des bonnes paroles. C'est ce que je vous dis. Un enfant là, c'est que les parents, quand ils disent 9 semaines, c'est là mon boulot quand je vais finir. Quand il n'a plus de désir, il ne parle pas avant. L'enfant, il s'arrête. Et puis, il fait plaisir. Mon garçon, il voulait un moment où aller sabbatique. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Il a trouvé une école, mais l'école pour rentrer. Et puis, il veut faire pour 25. Hey! 25 ans d'abord pour rentrer, j'ai dit non, 25 ans dans ma maison. Aujourd'hui, là, le volant, c'est le monde qui a démarré. C'est ce que je lui ai dit, c'est vrai qu'il est ici, son père. La sachez pas, il a dit, on va faire coup de poing même. Donc, c'est comme ça, l'enfant, il faut lui parler. Ça, c'est important, nous, on a fait un petit choix. C'est que nous, on n'a pas pu être. C'est qu'on veut, c'est un bon petit, il parle à l'enfant, ça reste. Non, famille. Puisque l'esprit 5 étoiles, ses enfants ils auront rien, ils auront aussi 5 étoiles, ils n'ont pas ce que c'est là, c'est bloc, c'est bloc. Moi j'ai 15 ans sur les ciels, la chasseur, ils ont couru du pouvoir, c'est-à-dire les gens qui sont là. Et elle va continuer, c'est ta mère là, côté de ta mère, on dirait qu'on va prendre. Mais là même, c'est même côté. On dit, tiens, fais pas ça, non. Ah. Crocodile, affaire crocodile. C'est le temps, on parle. Donc, on va mettre sa mère, si c'est beaucoup partir. Ça va la famille. Restez seulement de travail. Vous allez voir. C'est ça qu'on va lui dire. On va mettre sa mère. Et puis, il paraît qu'il y a une femme, ouais, elle a une chienne qui a fait du dos. Allez, on va comprendre. Moi, je suis ouais, puis je suis du côté des choses. Hein? Donc, les ouais, n'ont pas à se dire. Maudia de ta maman et toi-même. Je ne sais pas comment je suis là pour vous dire, ouais, c'est mauvais. Je suis pas dedans, vos saletés là. Je suis pas dedans. Si ouais, c'est mauvais, je te fais à toi devant tout le monde. Je te bénéficie. C'est des gens qui je ne suis pas là pour les conneries. Oh, salut. Oh, les vieux sont morts. Ouais, bien. Ouais, ça, salut. Je suis à côté. Ah, je ne suis pas. Pierre ouais, tu as fait. Hé! Pierre ouais, tu as fait, je chie même. Donc, il ne faut même pas les choses. Donc, famille, si ce, je vous aime. Donc, vous avez, j'espère que vous avez compris mon mécontentement. Mon mécontentement est. Je ne suis pas jaloux. J'ai mal. Je verrai bien mon père à cette place qui a fini comme ça.
Aujourd'hui, c'est généré par tout le monde. Tout le monde est en espace devant la fille, il faut être partout. Toute la France, ça, la babo, le monde, c'est direct, la fille, il faut être derrière. Et puis nous aussi, derrière la fille, il faut être en bas là, le conduit. Voilà. Pas saluer ma petite soeur Chou. Je suis pas saluer de toute la France. C'est ça. Ma petite soeur, je suis là, c'est là. Elle, quand même, elle est passée à deux doigts de la mort. Mais quand elle a quitté le père, elle était dans le combat. Non, les gens, ils ne savent pas ce que nous, on a fait. Vous pensez que nous, elle-même. Un matin, elle me dit, je suis aidée. Je dis, oh, ouais. Ne l'écoutez pas. Les gens sont venus, ah, t'as ça dit. Je dis, laissez vous la connaître. C'est parce qu'elle, on est fâchés. Nos parents sont morts. On ne nous sort pas des bonnes choses. Elle dit, oui, vous êtes morts à cause de vos causes. Donc, le petit, c'est un gay qu'on a tué. Il y a 3 ans, il est grand planteur. Prenez les gens au sérieux, au bout de tout. Pour le petit, le Kwadwo qui est mort, hein, qui a 6 mois, le producteur de café, il faut respecter les gens qui sont là. Parce que Nadia de Lille, elle donne des méditations, vous, le gars, bien évidemment, il vient nous raconter ça. Tout ça, là, quoi faire de respecter les gens? C'est parce que nous, on l'aime, sinon ça, là. Gréya Kouengé, si ce n'était pas le président Bagou. Gréya Kouengé, on n'allait même pas à temps. On tue les gens pour toi, hein, pour ton amour. C'est ça que tu dis, c'est pour leur forêt. C'est pas pour rien. Hein? On ne peut pas arrêter, papa. Nous prenons, on s'aime. C'est parce qu'on s'aime trop qu'on a mal. On a mal. Ce que tu appelles une prostituée qui est là, dévergondée, une petite fille est là. Et là, je m'en bats, tu viens nous emmerder pour casser ton compte. Donc, moi, je suis tout simple. En tout cas, j'ai fait sa campagne même en Afrique. Je parle d'elle en Afrique. Comment elle est arrivée au président? En couchant par Soros, par Soros, Dom, Amel, Babel, tous les. Hein? Dina, on dit François ou quoi là? Tous, ils ont mis ça. Elle dit aux gens, allez, ça t'a fait. De toute façon, si je suis à la marque à ma petite soeur, je suis venu à voir ce que je suis envoyé. Et puis elle va faire les bons plats pour nous. Hein? Les maris, ils vont envoyer les bons copains. Et tout. On est fatigué. Donc, famille, sur ce, je vous aime. Voilà, je vous aime. Et je vous dis à demain. On est à. Donc, le 25, n'oubliez pas la date d'attaque. Ma fille sort. Eka, toujours. Voilà. Maman Eka, toujours. Elle descend pas. Elle a frappé pour la maison est petite. Voilà, maintenant, on a montré. Même si on dit petit à petit. C'est vos bouches là qui n'ont pas que Dieu l'a remis. Appuyez encore. On a Dieu va la monter. Aïe. Non, bon, pas clos ou pas clotage. Maintenant, voilà. Mais, vous connaissez ça? C'est une marque d'électroménager. Ce n'est pas pour les enfants. C'est ça qui trouve chez les hommes. Ce n'est pas chez les hein. Elle n'a pas pleuré. Elle paye. Mais donc, quand on dit qu'il n'est pas allé à l'école, oui, hein, ces meubles-là, c'est vintage. J'ai rigolé tellement, j'ai dit, ah, Seigneur, vos enfants-là, il est triste. Vintage là. C'est-à-dire qu'il peut avoir un canapé vintage, il est à 500 000 euros. Vintage, ça veut dire quelque chose qui date des années. C'est des trucs luxueux. Ça coûte cher. Donc arrêtez d'employer des termes qui vont nous faire honte. Ces trucs qui sont vintage. Vintage, tu connais ça? Vous connaissez ce qu'on a. Bien sûr, vintage là, c'est les riches, les Beyoncé là, qui cherchent. Il y a une émission. Comment on appelle ça, qui passe sur la 2, où ils amènent des meubles, vous voyez quoi? Ça, c'est des choses. C'est ça qu'on trouve dans les manoirs, dans les châteaux, c'est des trucs vintage. De l'époque, Louis XIV, Louis XIV. Mais comme tu n'as pas, tu es passé loin de l'école, tu ne peux pas connaître que la vintage. Vintage, c'est ça, c'est des trucs de valeur. Maigre, c'est des choses qui coûtent cher. Même le gris-pain, il mange juste à 300 euros. Et tout. Vous ne connaissez pas les choses, vous pensez. J'ai dit, mon mari est déjà.
qui fait du gros, tout ça. Pour l'exportation. Donc, ça, il y avait un congélateur américain qui m'a dit, on va ramener du tout. C'est lui, c'est son bon geste, ça, il ne peut pas ramener ça à la maison, il y a du vin. Vous savez pas, hein? Mais là, c'est pas n'importe quel machin. Regardez les machines à laver seulement, là, ça monte dans les deux minutes. Donc, c'est maison de ma fille, là, c'est ça, et tout. Équipement de ça. Donc, vous qui êtes là, vos paflots peuvent avoir ça. Paflots. Vos paflots, ça peut avoir ça, mais équiper la maison. Non, c'est un bon paflot. Vous allez finir par pafloter aussi. Mais quand vous ne savez pas pafloter, vous êtes les pros du paflot. Ah, les enfants, là, vont nous tuer. Donc, sur ce famille, je vous l'offre. Et c'est sincère. On est ensemble. Nadi Bamba, là, c'est notre fille. PPAC, on va casser ça, on va casser. Voilà. Il faut casser ça. Donc, ça me dit là. Boycotter la réunion des PPAC du B. OK? Oh, tant que coudou. Oh non, ta soeur, non, elle est une femme de toi. Tu es trop. Tu t'es battue vraiment. Oh, tu es une femme qui s'est battue. Moi, quand je vois que une femme comme ça, j'ai mal. Je me rappelle, elle est sortie de l'hôpital et elle était de la cuisine, elle t'a volé. Et puis j'ai dit, mais ma soeur, tu me vois aussi, j'ai dit, c'est fini. Elle dit, ah, quand on est à la maison, ça nous pour moi, je fais tout ça là. Ma bonne n'a pas regardé. Il m'a dit, moi j'ai pris un habit en échange. Je dis, merci, un habit. Papa, c'est parce que tu es notre papa. Sinon, pas là. Oh non, un jeune qui allait sortir de là, c'est pas pour les enfants. Hein. C'est parce qu'on t'aime. Si on a gardé sur nous, là, on t'aime. Elle dit, vis ta vie, mon bébé, pas ta vie. C'est parce qu'on t'aime. Mais les gens, ils ne savent pas. Parce que moi, là, tu as n'importe quel âge, tu me prends, ça ne fait rien de t'aimer. Mais si tu as ton papa, si tu te prends, ça fait rien. Tu vas faire quoi? C'est ton papa, tu l'aimes. Et nous, on dit, maman, je l'aime d'être maman. Hein? Ou un fouet. Si ton couteau te plaît, tu le laves, tu le gardes. Papa nous a blessés. La soeur, autant plus dur. C'était évident tant que. Merci, famille, les enfants, merci pour le combat continue. C'est rien. Dites merci à ma femme. Elle a fait quoi? Si mon bagot va tout tourner, on a enlevé ses cheveux. Hein? On ne peut pas lui dire merci. Qu'est-ce qu'elle a tué pour toi? Tu peux nous dire ça un jour? Attends, sérieux? Et on va quitter dans ça? Pour te suivre? Non, moi je ne rentre pas dans ça, hein, papa. Sauf si tu fais marche arrière, qu'est-ce que tu reprends ce truc? Là, avec Simon Babou, moi je pardonne, et tu vas voir même le combat, même. On va mettre c'est les vrais brassards, même on va te montrer fort. Parce que c'est nous qui montons, hein. C'est à Simon Koïta. Lui-même, il n'est rien, c'est le peuple qui l'a monté. Nous, là, c'est le peuple. Tu changes des mains, là. Tu quittes dans ça, la sorcellerie, là. Que à toi, d'où ton nid, là. Tu dis, j'ai réfléchi, j'ai compris. Tu retournes avec ta femme. Ça dit, peut-être, là, nous, on s'en fout. Tu es avec mes frères, comme tu dis. Elle qui dit. Nous, on s'est fait, là. Toi, vois même la soeur. En tant que vous, elle sera en maillot. Aïe. Vous, non. Elle sera en maillot. Mais ça, là, on ne peut pas se battre. Pour que cette chienne qui a causé la mort des Ivoiriens en s'amourachant avec la rébellion, on va la porter au pouvoir pour faire ça. Non. T'asseoir est mieux, non, c'est pas ça. T'asseoir est mieux, papa. Donc, si ce, le PPACI, là, on va combattre. Hé! Hey! Mataban, la soeur Amère Tosian, c'est lui dit ta vie. Maman Bago, braponnage de ça. C'est que ACI veut se lever les gens. Il faut signer ça avant que ça sorte. Je vous aime. Et c'est sincère. Bisous là-bas.